Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, après on se fera deux petites attaques, après on ouvrira le coffre à couronne, c'est parti! C'est parti pour une petite ouverture de coffre, pas très grande, mais c'est déjà bien mon petit, c'est déjà bien. Et ce qui est bien aussi c'est qu'on fait ça tous les deux jours, donc ça c'est bénéfique, non? Tu trouves pas? Bon alors du coup 60 d'or ça fait plaisir. Une gargouille, c'est bien. Et 8 barbares, ok, bon ça c'est pas non plus, bon on va pas se le cacher, il y a mieux. Voilà donc, ils sont bien les barbares mais je les utilise pas quoi. Donc 47 d'or, ça fait plaisir. Et une roquette, alors là par contre, laisse tomber. 8 gobelins. Ça j'aime bien, je suis d'accord. Ok, voilà, mais si tu pouvais mettre des archers, tu vois, ça pourrait être pas mal. 71 d'or, une cabane de barbares, non. 8 géants royaux non plus, ça commence mal là. Ça commence très très mal. Alors 67 d'or, ça fait plaisir. 2 gemmes, bien entendu, ça fait plaisir. Et un mini PK, bon là par contre, je m'en sers pas non plus, hein, voilà. 8 mortiers, ah oui. Ah non. Voilà, bon, donc, on a le molosse de lave, à la limite, les hordes de gargouilles, ça serait pas mal, la Valkyrie, pourquoi pas, le prince ténébreux, ça serait pas mal aussi, les archers, franchement magnifique, la méga gargouille, bah, pourquoi pas, hein, les flèches, bah ouais, enfin, oui et non, ouais, pourquoi pas, sorcier de glace, bah ouais, je dis pas non, mon gars, voilà, donc, non, on va pas combattre, je suis bête, hein. Donc du coup, on va ouvrir le petit coffre d'or, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi? 193 d'or. Un sorcier. Ouais. 10 squelettes. Bon, je les aime bien les squelettes. Bon, maintenant ils sont plus qu'à 3, donc c'est dommage, mais je les aime bien quand même. Mousquetaire. Ça va, ça fait plaisir, elle est plutôt puissante. 16 bombardiers. Oh, franchement, ils sont pas mal. Allez, bombardiers, rien à dire, ils sont pas mal. Après, qu'est-ce qu'il y a? 170 d'or, hein, intéressant, on devient riche. Bon, il y en a, ils ont 70 000 d'or, bon, ouais, j'avoue, je suis loin, mais malgré tout, on devient riche. Donc, cabane de gobelins, 9 électrocutions, ouais, bon, si t'as envie, ouais, c'est nul, mais c'est pas grave. 9, mais, oh, 2 roquettes, de quoi, 2 roquettes, mon gars? Et 17 mortiers, mais c'est quoi ce pack opening? Mais c'est quoi ce pack opening? C'est quoi ça? C'est même pas un pack opening, c'est un pack fermeture. Oui, je sais pas comment on dit fermeture en anglais. Et alors? Qu'est-ce que je te dis? Non, mais bon, voilà, quoi. Ah, comment on dit opening, enfin? Comment on dit fermeture en anglais, là? Je suis con, hein. Bah, je sais plus. Mais c'est pas très grave, hein. Voilà, on passe le cachet, c'est pas très grave. Mais, juste que, malheureusement, on a eu des coffres qui sont pas... Moi, je m'attendais à mieux, tu vois. Je me dis, attends, on a 2 coffres d'argent. Bon, c'est pas énorme, tu vois. Mais c'est déjà bien, tu vois. On a 2 coffres gratuits, c'est quand même pas mal. Et on a 2 coffres d'or. Je me suis dit, bon, il y a moyen d'avoir du taf, tu vois. Il y a moyen d'avoir quelque chose de bien, tu vois. Et ben non, non, même pas, non. Les roquettes, c'est vraiment trop puissant pour moi. C'est tombé, ça me servira à rien. Les barbares, bah, j'utilise pas. Le PK, j'utilise pas. La mousquetaire, j'utilise pas. Enfin, que des trucs que j'utilise pas. Elles sont bien, les troupes, hein. Mais j'utilise pas. Waouh, j'utilise pas, mon gars. Est-ce que j'utilise? Franchement, non, bah voilà. Hein, j'utilise toujours le même deck. Tu devrais savoir maintenant ce que je veux, moi. Ah ouais. Ah bon. En attendant, bah du coup, je vous dirai tout de suite pour attaquer. Voilà, on va se faire 2 petites attaques. Après, on ouvre le coffre à couronne dès qu'il sera débloqué. C'est parti. Et c'est parti, on est contre 8888 qui est niveau 9 ou 8888 si tu préfères. Alors du coup, petit sourire, petite bonne chance parce qu'il est niveau 9. Là on va mettre la petite méga gargouille et on va se faire plaisir. Tu vois. Ne dis rien, on va se faire plaisir, c'est moi qui te le dis. Regarde-moi ça. Et boum! Qu'est-ce que tu vas faire là mon gars? Qu'est-ce que tu vas faire mon gars? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'es fait exploser. Easy money. Bon, alors, du coup, je me demande d'où elle vient, quand même, cette expression. Easy money. Easy money. Ouais, ça veut dire argent facile, je sais. Il faut pas que je dise ça, c'est pas bien. C'est pas bien de dire easy money. Tu peux aller en prison pour ça. Bon, alors, oh! Oh! T'as vu? La Valkyrie qui a tué la sorcière? Mais j'y croyais même... En 2 coups, je crois, en plus, hein. Mais j'y croyais pas, moi, je me suis dit, elle va mourir avant, tu vois, comme une nullissimité... Tu vois, parce qu'elle est nulle, tu vois, la Valkyrie, donc... Elle est nulle. Bon, voilà. Et, non, je déconne. En plus, elle est niveau 7, c'est magnifique. Elle serait pas niveau 7, elle aurait pas fait ça, hein. Oh là, franchement, magnifique, la Valkyrie niveau 7. Mouah. La Valkyrie, les archers, c'est vraiment des troupes qui ont fait leur preuve. Et ça, on n'en finit jamais. Oh, elles ont des puissances, mais...
Elles sont résistantes, elles sont puissantes, c'est un truc de ouf ces troupes. À la limite, les hordes de gargouilles, qui est plutôt pas mal aussi, qui font beaucoup de dégâts très vite. Elles sont pas très résistantes, mais elles font beaucoup de dégâts très vite. Donc c'est vrai qu'elles ont fait un petit peu leur preuve, mais pas autant que les archers et la Valkyrie. Oh là, ça, ça c'est des troupes de ouf ça. Bon, là franchement mon gars, t'es mort. C'est nul ce que tu fais là, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu t'invites t'invites quelqu'un à la fête, j'en sais rien, non, parce que bon, on se demande ce que tu fais. Regarde-moi ça, est-ce qu'il y a moyen que quand même t'avances toi, le sorcier de glace? Bien sûr, le sorcier de glace qui n'avance pas du tout, histoire de bien me faire exploser. Bon, c'est pas très grave, on sait, hein. J'ai l'impression quand même d'avoir, alors quand même la vente. Mais qu'est-ce que t'as fait mon gars? Mais tu viens de te tuer là, tu viens de te tuer, tu comprends ça que tu viens de te tuer mon gars? Tu viens de... Bon, peut-être pas à ce point là finalement, parce que je suis nul, mais Eh, t'as le... Comment ça s'appelle? Il fait quand même des rares niveau 8 le mec, hein. Eh, c'est pas rien, le mec il a le sort de... Je vais te trouver le nom, hein, t'inquiète, je vais te trouver. Ça s'appelle comment? Le sort de... Mais gros, mais tu sais pas jouer autrement que ça. Mais le mec, il envoie... à la limite, il envoie le cochon pour finir la tour. Je veux bien, mais là, il envoie des flèches. C'est trop simple. Bon, alors, ça va être très simple. Oui, donc du coup, je disais, il envoie... Enfin, il a le miroir. D'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai envoyé le... T'as vu le miroir? Voilà. Pourquoi j'ai envoyé la méga gargouille, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé la méga gargouille, tu te demandes pourquoi? Donc, ce qu'on va faire, ça va être très simple, on va faire ça. Hop, on va faire ça, on va envoyer ça, voilà, et là on va lui faire du taf. Là on va lui faire du taf de ouf, on va lui envoyer de la méga gargouille, on va lui envoyer... Regardez-moi ça, oh là 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 là, ça c'est du taf ça. Ça c'est du taf, on va lui envoyer ça, pourquoi pas, ça devrait faire du taf. Ok ok, il envoie les flèches ou pas? Allez, il envoie les flèches ma gueule, ça c'est bon ça, c'est ce que je voulais moi. C'est ce que je voulais, bam, c'est ce que je voulais, bam, bam, bang bang, bang bam. Ah, t'as le deg là, hein. De toute façon, t'étais voué à mourir, mon gars, t'étais voué à mourir, mon gars. Mais ouais, je t'avais exposé dès le début déjà, donc t'étais voué à mourir. Bon, franchement, ça fait plaisir. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vous dirai tout de suite pour une deuxième attaque. C'est parti. Et c'est parti pour une deuxième petite attaque avec Alex1995. Avec Alex1995. Ouais, c'est parti, petit sourire, petite bonne chance. Bon, cette fois-ci, y a pas de pitié là. Là, tu vas voir, on va faire du taf. Ça va être nickel chrome. Alors, déjà on a mal commencé parce qu'on a dû envoyer les archers avant le Molosse de lave. Et ça, c'est pas très très bien. Mais c'est pas grave parce que nous, on est des malades. On va peut-être envoyer direct les hordes de gargouilles. Je pense que dès le début comme ça risque de faire du taf. Putain, j'ai pas pensé à ça. Oui, le... Oh là 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 là. Eh, voilà. Mais j'ai fait n'importe quoi. Vite, dites la Valkyrie, stoppez la Valkyrie. Tu peux me sauver. Allez, vite, dites. Vite, la Valkyrie, putain. Oh, mais 2 ans à se mettre aussi, la Valkyrie, là. Oh, la lime, casse une tour. Est-ce qu'il y a moyen de faire du taf? C'est magnifique. S'il te plaît, on casse la tour, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Oui. Ha, ha. T'as le seum. Et en plus, t'envoies tes vieux machins là, bim, t'as le seum encore plus, mon gars. Hop là, on fait ça. Et puis, oh, ça touche même pas. Ah, si, non, ça a pas touché la tour. Son truc a pas touché la tour. C'est génial. Et franchement, je kiffe. Alors, il y a moyen de faire du taf? Oh, oui. Moi, je dis oui. Je dis pas de non, mais je dis oui. Bon, bah, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est quoi? On va envoyer des archers. Et là, on va envoyer du molosse de lave. Et là, normalement, on lui prend la tour. Easy. Ah, quand je te dis easy. Ça easy. Ok. Alors, il y a moyen là. On envoie des hordes de gargouilles. On attend juste 2 secondes. Oh, parfait. On envoie les hordes de gargouilles. Tranquillou. Voilà. Qui vont faire normalement du taf. T'envoies ta boule de feu normalement. Ah, il a attendu. Bon, ça va. On a fait quand même du taf. Ah, il y a des fois je suis silencieux comme ça, tu sais même pas pourquoi, tu sais. Je me dis, tiens, peut-être que si je dis rien, il va pas envoyer sa boule de feu. On sait jamais. Voilà, donc ou alors sinon sa boule de feu, il aura raté peut-être, je sais pas. Bon, alors du coup, et bah cette fois-ci, on va défendre. Bah, ça va être tranquille, regarde-moi ça, regarde, on dirait que la Valkyrie, elle demande qu'à en défendre, tu sais. Je veux défendre. Mais voilà, ça servait à rien ta boule de feu, mon gars. Mais il faut savoir jouer. Hein. Allez hop, j'envoie un petit mouse de lave. Non, mais les mecs qui envoient des boules de feu pour finir, enfin pour toucher les tours, moi j'ai envie de te dire. Bon. Ouais, mais c'était pour essayer de tuer ton sorcier de glace. Ouais, on peut dire ça comme ça, mais ça m'étonnerait. C'est peut-être possible. Franchement, ça m'étonnerait. Ok, il fait du taf. Ouh là, ça fait du gros taf, sa boule de. Enfin, sa boule de feu. Sa boule de feu. Non, ça. Comment ça s'appelle? Ah, je sais plus, hein. Attends, je vais me faire exploser, ça continue. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh,
Je sais tellement plus jouer. Là, il va envoyer du... c'est obligé. Donc, on va envoyer peut-être de la horde de garou ici. Je sais que c'est pas bien ce que je fais, mais qu'est-ce que je te dis? On va envoyer ça. Et on va envoyer... Oh, là, on est plutôt bon. Là, il y a moyen de faire du taf. Il y a moyen de faire du taf si on défend bien, on attaque bien. Il y a moyen de faire du taf, ma gueule. T'as vraiment cru que ça servirait à quelque chose, ton truc? Oh, oui! Oh, attendez. Les archers qui arrivent, là, qui arrivent dans le game. Les archers qui arrivent dans le game, les gars! Pouh! Oh, 45, les gars! Vous avez vu? 0,45, temps extra. 0,45. Exactement le même temps que l'attaque d'avant. C'est magnifique! Moi, de toute façon, je suis un bon. Non, est-ce que... Non. Je pense que je vais mettre ça en titre parce que c'est tellement fabuleux, tu vois. C'est hallucinant. Bon, en attendant, je vais vous dire tout de suite pour le coffre à couronne. C'est parti. Eh, c'est parti, on est des fous. Coffre à couronne, qu'est-ce que ça donne? 454, ça fait plaisir. 2 gemmes. J'aime bien. Je l'ai fait tellement de fois, ce jeu de mots. Bon, alors, 3 mousquetaires, c'est pas génial. Tesla. Non, j'utilise pas, mon gars. Mes pierres tombales non plus. Tout ce qui est bâtiment défensif, j'utilise pas, mon gars. Ah, bah voilà. Ça, j'aime bien, ça, tu vois. Comme ça, on les améliore niveau 10 et tout. Ah, mais non, je les ai pas. Ouais, mais bon, je les améliore quand même niveau 10, parce qu'il y a des fois, je pourrais très bien l'utiliser à la place de la gargouille. Enfin, de la méga gargouille. En attendant, on est quand même plutôt bien. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire... C'est que bah je vais vous quitter sur ce, hein, voilà. Donc on s'est fait quand même une petite attaque assez sympathique. Voilà, avec ce deck, hein. Toujours aussi puissant ce deck. Il est génial, j'adore. Bon là j'avoue qu'il n'était pas très puissant là, hein. J'ai eu du mal, hein, à attaquer. Généralement je fais du 3 étoiles en zone chrono, mais là. Enfin généralement, des fois je fais du. Mais bon, il y a quand même des fois aussi je me fais exploser. On va pas se le cacher parce que le molosse de lave est quand même facile à contrer. C'est vraiment dur à l'utiliser. Mais bon, malgré tout, on peut y arriver. Et on peut du coup. Exploser à mort, let me. Voilà, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous laisse sur ce. Je vous dirai à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis n'oubliez pas, restez cool.